Salut les amis, c'est Nidlas85, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy, où là justement, on est aujourd'hui le 9 juin, on va pouvoir regarder vite fait ce qu'il y a eu dans les mises à jour, que ça soit en craft ou même en récolteur. Donc on va directement se TP à Idyllée. J'ai un légume qui a bu. Comme on va voir justement ce qui s'est passé, les nouveaux objets qui ont été ajoutés en craft et en récolteur, parce que justement c'est ce qui va nous manquer. C'est ce qui nous manquait en fait pendant la mise à jour du set. Maintenant, tout ce qui est craft et récolte, ça se fait. C'est une mise à jour qui se fait à part le jeudi. Même si tout a été installé le mardi 7, même si tout s'installe le mardi 7, les objets ne seront qu'activés seulement les autres que le jeudi d'après. Hop, donc on va aller voir ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a déjà du monde à ce que je vois. Alors, c'est parti. Alors. Ici. Bon là c'est légumes de cabu. Je vais pas donner maintenant parce que je suis déjà au max au niveau des assignats. Donc alors, assignats rouges en artisan. Voilà. Gobelet gobelin. Voilà. Je vais tout prendre directement. Voilà, les 450. Comme ça c'est fait. Et en récolteur. Je vais prendre les dés directement. Voilà. Comme ça, hop. Là, on va pouvoir faire ça. Là. Ensuite, échange de matériaux, objet d'artisan, ça doit être là. 26, 26, non, c'est pas là. Objet artisan, c'est pas là non plus. Ah non, j'avais vu que c'était le gobelin qui était là. Voilà, Green Mox. Amélioration d'outils. Ok. Donc pour améliorer nos outils, bon c'est pas compliqué. Là j'en ai 9, donc il va m'en manquer 4. Parfait. Hop. Et là je peux aussi améliorer mes tenues. Alors comparer. On va comparer hein, parce que là-dessus, faut vraiment prendre le meilleur de nous-mêmes. Non, on va fermer. Alors attendez, je suis pas en menuisier. Voilà, là, c'est mon menuisier. On va améliorer ça. Donc par exemple, si on prend ça, on va faire comparer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioré? Alors justement, là-dessus, on va avoir aussi un truc qu'il va falloir vous dire. Pour les nouveaux stuff, il nous faut, sachant que il nous faut 870 et 835. Sachant que par exemple sur mon menuisier, là, je suis à 853 et 782. Donc il va me falloir 17 en habilité que j'aurai aisément. Et il va me falloir 53 en contrôle. Là, c'est ce que je n'ai pas. J'ai 15. 15, donc il va me manquer facilement 40 points, on va dire. Bon, après, il y a des endroits où j'ai pas mis toutes mes matériaux. J'ai du contrôle, j'ai de l'habilité. Ça, on est d'accord. Là-dessus, je peux pas mettre. Là, je peux améliorer. Ouais, je peux améliorer encore en contrôle. Là aussi, contrôle, je peux en remettre. Contrôle, là, je peux en mettre aussi. Tout ça, de toute façon, tout ça, là, ça va être amélioré. Donc, parce que c'est du vieux stuff, c'est pas du stuff 60. Donc, ça va pouvoir être amélioré. Après, je vais avoir 9, 18. Sachant que 13, il va me falloir 5, je pense. Donc, là, le plus important, si on compare. Ouais, voilà. Ça va, je pense que ça va être ça qu'on va améliorer en premier. Pourquoi? Parce que la scie. Hop. La scie, comparée. Ah oui, ça j'adore. La scie, 115, 17, ça nous donne 37. Donc là j'aurai carrément ce qu'il faut. Et en contrôle, ça me donne carrément 20. 20 plus 15, ça me fait déjà 35. Il va vraiment me manquer très très peu pour débloquer justement ce niveau. Mais je dis bien mais. Comme avec le ragoût de pêcheur, je vais gagner 25 en contrôle. C'est bon, je serai capé. Je pourrais faire les items 3 étoiles
en récolteur, enfin en crafter, bien sûr, avec mon menuisier. C'est mon menuisier le plus important pour le moment. Donc je vais avoir 18, 13 plus 5, 18. Donc c'est parfait, je vais pouvoir m'occuper de ça très rapidement. Ensuite, regardons vite fait notre récolteur, par exemple le botaniste. Hop, outil de récolteur par rapport à mon botaniste. On va prendre... ah, là c'est 15, tiens. Là c'est 15. Là-dessus, pour le contrôle, ça va être bon. Le discernement aussi, hein. Rien de très développé pour le moment. De toute façon, j'étais déjà bon, j'étais déjà à fond avec mon récolteur pour le moment. Si les assignats là que j'ai, les avoir, ne me servent plus à rien, je vais pouvoir les redonner par contre. Ça, c'est intéressant. 15, donc là c'est 21. Alors regardons de plus près, comparer. Ouais, ça me donne pas mal de discernement. Là-dessus, je pense, faudrait voir un peu quelles sont les disponibilités justement pour cette récolte, hein. Parce qu'on est d'accord. On est d'accord, c'est pas là, c'est là. Voilà. On est d'accord, on a des nouveaux objets. Donc là, c'est la sève cristallisée qu'il nous faudra, bien sûr, obligatoirement. Ça peut qu'il soit avec le vieux camphrier. Donc ça soit deux trucs qu'on aille chercher à Balathea à la même heure. Et là, si je me trompe pas, nous avons une météorite à aller récupérer. Donc dans les minerais, voilà, la météorite. Qui se peut aussi qu'il soit avec ces trois-là. Donc à voir vraiment... à quel moment Azizla, l'écume des cieux d'Abalathia. Donc ces deux là on s'en occupera, on ira les chercher à Abalathia. Là c'est Azizla, donc ça ne sert à rien. Et ici c'est aussi l'écume des cieux, donc voilà, à voir si on peut le récolter très facilement ou pas. Continuons sur nos fonctions pour regarder un peu ce qu'on a. PR, PR, PS. J'ai vu un truc, un endroit, voilà, les gants. Comparé. Ok, on gagne 5 en plus. Enfin, on gagne 1 PR en plus. C'est pas ouf, hein, franchement, là, peut-être, comparé. Ouais, 2 PR en plus. Ouais, 2 PR en plus, c'est vraiment pas ouf. On pourrait faire mieux. Voilà, je pense que c'est pas... Donc ici, franchement, là, c'est pas très intéressant, ce qu'on a là. On va s'attarder sur le crafter, puis on va voir déjà, on va pouvoir peut-être commencer à essayer de faire des cycles. Voir ce qu'on peut acheter. Materia. Ah, aussi on va pouvoir acheter des matériaux avec les avoirs. Alors. On en a 41, et là on en a 45. Parce que normalement on est bien d'accord, materia, objet de récolteur. Ouais, voilà. Donc j'ai regardé, ce qui va peut-être nous manquer, ça va être niveau PR, PR et PS. Donc là on en a déjà 3, nombre possédé, combien j'en ai? J'en ai 8 en tout, ouais. Nombre possédé, j'en ai 5, ok. Ici j'en ai combien? 10. Et là 10, d'accord. On va essayer d'en prendre 10 déjà de là. C'est ce qu'on va faire, hop. Donc là on va... Oh. Faut donner un par un. Attendez, qu'est-ce qu'il dit là? Nombre possédé, non. Hop, voilà. On s'en occupe. On échange. Voilà, alors. Tac, tac. Et c'est parti. Combien on en a déjà? 10, voilà, on fait pareil pour ça. Pour avoir nos contrôles déjà de base. Voilà, et là on fait pareil.
Pour le moment, les assignats rouges ne serviront pas à grand chose. Là, on va en avoir, on va demander à en avoir 13. Voilà. 10. Je sais pas si je vais en garder 10 quand même au cas où, on sait jamais. Et là, on va faire pareil aussi, avoir rouge. Donc là, on va en prendre 10 aussi de chaque. Voilà, on se dépêche, bam. Bah, ça, je le fais au clavier, hein. Pour que ça soit aussi rapide, je le fais au clavier, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, on en a 10, c'est parti. Là aussi, on va en prendre 10. Là, on remplit vraiment les matérias. Hein. Faut se remplir les matérias. Ok, ça c'est fait. Donc là, nombre possédé, combien on en a? On en a 16. Nombre possédé, on en a 17. Et nombre possédé, on en a 15. Donc là, on va en prendre 1. Voilà. Et là, on en prend 2. Histoire d'être à égalité. Voilà, 17. Donc là, j'ai 17 partout. Il m'en manque 2. Je pense qu'on va en mettre 1 ici. Et discernement, ouais, allez, on va mettre en discernement. Voilà, 10 partout. Voilà, je pense que là aussi, on va échanger les avoirs. Nombre. J'en aurais 36. Si j'en échange 9, j'en aurais 36. Et avec ça, ça fait 40. Donc on va faire ça. Voilà. Et là, on en échange 1. Pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que les matérias, c'est bien. Ça sera bien, les matérias. Mais d'un côté, c'est des trucs que je n'ai plus forcément besoin. Donc voilà. Donc là, j'en ai 40 partout. Et là on avance, on va aller voir les sables, on va les échanger contre des sables. Attendez, on n'échange pas tout contre des sables. Ça me fait penser. On a des spécialistes qui ne sont pas encore spécialisés. Donc alors, je pense qu'il va falloir des collectionnables. En menuiserie, forgeron, tout ça. Je pense que en artisan, voilà, tout ça, je peux les récupérer maintenant. Un assignat rouge. De toute façon, ce sont des assignats bleus qu'il me faut. Très bien. On regarde vite fait, c'est quoi nos spécialistes? Normalement, c'est, excusez-moi, c'est menuisier, forgeron et cuistot. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Regardons vite fait mon forgeron, comment il est. Ok. On va lui changer toute sa tenue à lui complète. Je pense qu'il a assez. Mais déjà en récolteur. En récolteur déjà, je peux déjà les échanger. Après 40 selon le coût que ça vaut. Je pense que je pense qu'on va pouvoir changer. Alors obtenir des pincées. Récolteur. Hop hop. Voilà, on échange ça. Vu qu'on en a plus besoin pour le moment. Et ça, on le garde. Ça, on garde. On en a pas, on va pas le vendre maintenant parce que justement, il faut que mes autres classes... Ça va permettre d'améliorer mes classes plus rapidement, on va dire. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve très vite dès que j'ai de quoi améliorer mes crafters. Je vais faire d'amélioration. Je vais essayer d'obtenir mes assignats rapidement. Donc là, par exemple, regardons un peu à gauche, à droite. 65... Et là 450, et là j'ai 65, ok. On va s'occuper de ça.
Je vais récolteur peut-être pas pour le moment, on va attendre un peu parce que ça se fait vraiment sur la durée. Je vais faire mes crafts en attendant. Ah quoique il est bientôt 17h, regardons ça, bla papa. Je dois récupérer de l'amande mielleuse, donc on va directement y aller. Hop là, petit crafter. Petit récolteur, hop, et on va à Oxundu. On fait une petite pause très rapidement. Pour vous ça ne changera rien, ça sera pour moi. On se fait une petite pause et on se retrouve dès que j'ai mes dés et mes gobelets pour voir si on atteint vraiment le cap pour faire le 3 étoiles. Et donc on se retrouve les amis sur enfin j'ai pu récupérer mes armes. Donc alors pour commencer avec mon récolteur. Mon récolteur je tapote dans les 797 et 763 grâce à ma hache améliorée et aussi à mes trousses de verdier. J'ai pu les prendre. J'ai pas totalement terminé là-dessus. Il me reste, ouais, il doit me rester encore 40. C'est l'affaire de quelques minutes. De toute façon, avec comme il est bientôt 17h, pouvoir récupérer les amandiers. Et en menuisier, donc j'ai 890. Donc, hop, qui est clairement acceptable si on se réfère justement au meule, par exemple, à la meule qui est de 870. Donc là. 890, c'est parfait. Et 835, le petit boum-boum. Et 835, c'est pas tout à fait ça, mais on va pouvoir y arriver grâce, bien sûr, au ragoût de pêcheur, où là, justement, on va pouvoir tapoter avec les 25. Donc 25 plus 17, ça fait très facilement 842, qui est largement acceptable. Là-dessus, on pourra aussi ajouter les bienfaits qui pourront nous donner 10, l'habilité de 10, le contrôle de 10 aussi. Donc tout ça vraiment c'est ce qu'il nous faut. L'habilité et le contrôle ça on va l'améliorer. Le contrôle des artisans, l'habilité. Contrôle des artisans augmente. Ah oui c'est qu'il y a deux passés maîtres. Donc tout ça va pouvoir être... Va pouvoir nous aider. Là-dessus, après, moi, ce que je pense où on va vraiment être un peu en galère, ça va être niveau PR. Donc, j'ai toutes les matérias qu'il faut pour les augmenter. Je vais voir pour me faire les stuff. Voir déjà si je pourrais faire, au moins essayer de récupérer, je sais pas, le collier de création qui me permet justement de récupérer du contrôle, de l'habilité et bien sûr des PS. Et par la suite, le collier des ressources des forges. Mais bon, ça après on verra. Donc là par exemple il faut une fibre lumineuse, un madrier de camphrier traité, ça j'arriverai à le faire. Le cuir primordial, si je me trompe pas, je peux le faire très facilement. Et la fibre primordiale, ça aussi ça pourrait être facile. J'ai aussi mon cuistot qu'il va falloir que j'augmente. Donc pour augmenter mon cuistot, ça rien de plus facile. Parce que le cuistot bien sûr il pourra me faire la soupe de Célestuf. Et la soupe de Célestuf, laissez tomber ce que ça donne. Ça donne, bon là c'est en normal quality, 62 en contrôle. 42 en habilité et 8 PS. Mais bien sûr, avec les PS qu'on mettra sur les accessoires, ça pourra nous augmenter très facilement le niveau des PS et le contrôle. Ça ira vachement plus vite. Là-dessus, je vous laisse. Je vais vous laisser. On se retrouvera bien sûr pour un nouvel épisode sur FF. Où cette fois, on verra un peu les crafts et je vous dirai un peu comment faire pour débloquer il fait ces accessoires très rapidement. Bien sûr, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Needless 85 sur Final Fantasy XIV, la mise à jour 3.3.